Chers internautes, bonjour. La réunion statutaire du Rotary Club de Cotonou, Rive Droite, s'est tenue mardi dernier à Cotonou. L'assise a été principalement consacrée à la visite du gouverneur du district 9103. Le point. Tous heureux, les membres du Rotary Club de Cotonou Rive Droite ont reçu la visite du gouverneur du district 9103 ce mardi. Une visite qui s'inscrit dans le plan de travail annuel du gouverneur. C'est une réunion officielle, donc il est dans le l'agenda du gouverneur. Il est de coutume au Rotary que chaque année, le gouverneur visite tous les clubs de son district pour s'enquérir de la vie au sein du club. Il revient au gouverneur du district de rendre visite à tous les clubs de son district pour voir de près comment se fait le travail du service. Riche en échange, cette assise a permis à tous les membres présents d'avoir plus d'idées sur le fonctionnement du Rotary et de recevoir en retour des conseils de leurs hôtes. Quand on connaît déjà son rôle et qu'on ne le joue pas, bon, on sait comment faire. Quand on ne le sait pas, on va à l'apprentissage. Parce que le Rotary d'aujourd'hui, c'est un mouvement qui se veut plus vivant. Donc nous devons savoir nous connaître avant d'aller vers les gens. C'est pour ça que nous tenons à la formation en ligne qui est accessible à tout le monde et à tout moment. Donc en fait, nous n'avons pas droit à l'erreur. Ce fut une occasion pour la présidente du DICLOM d'échanger le fanion avec le gouverneur, signe de leur engagement, et d'offrir le cadeau du club à ce dernier, tout en invitant d'autres à rejoindre le Rotary. Nous invitons toutes les bonnes volontés, hommes et femmes, jeunes, à rejoindre ce grand mouvement de service dans le monde entier. Que tout le monde rejoigne le Rotary pour servir les autres. Et comme on le dit dans la Bible, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc au Rotary, nous espérons à plus de paix dans le monde. Photo de famille, coupure du gâteau d'anniversaire de leur père et collation ont mis fin à cette visite du gouverneur du DC 9103. Bonne nouvelle pour les parents d'étudiants et apprenants en cette nouvelle rentrée. En effet, les diplômes de fin de formation du Centre de formation Instinct Vidéo Leader sont désormais reconnus et autorisés au métier de l'audiovisuel et du digital. Alors, faites désormais le bon choix avec Vidéo Leader Formation. Ici, le succès, tu l'auras. La technique, tu la maîtriseras. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie.